L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Donc, premier dossier. Numéro 2. Bon, monsieur Rudy. Et vous, madame Lydia. Que j'assiste, monsieur le président. Alors, vous êtes renvoyés l'un et l'autre au terme d'une information ouverte devant le juge d'instruction de ce tribunal pour répondre des faits suivants. D'avoir à Saint-Dizier, le 7 septembre 2008, involontairement causé la mort de Julie. Alors, pour ce qui vous concerne, monsieur, il est visé au titre de l'obligation particulière de sécurité ou de prudence que vous n'auriez pas respectée, le fait d'avoir injecté de la cocaïne par voie intraveineuse dans le corps de la victime. Oui. Et pour vous, madame, c'est le fait d'avoir fourni un gramme de cocaïne, ce gramme de cocaïne ayant été destiné à être injecté par voie intraveineuse dans le corps de la victime. Donc, pour dire les choses très simplement, on est dans ce dossier en présence d'un cas d'overdose, hein, une personne qui est décédée par overdose, et dans la chaîne des responsabilités, vous êtes l'un et l'autre désignés pour répondre de faits qui ont participé à ces faits. Alors, je vais d'abord vous demander à l'un et l'autre de vous présenter. Vous pouvez vous asseoir pour l'instant, madame. Alors, vous, monsieur, vous avez quel âge ? 30 ans, monsieur le président. Vous avez une activité professionnelle ? Oui, bien sûr, monsieur le président. Qu'est-ce que vous faites ? Tailleur de pierre. Rénovation de palais de justice, église, tout ce qui est pierre, musée, tout ça. Alors, vous avez cette activité qui est récente, parce que oui, vous ne l'avez récente, pas au moment de l'information. Voilà. J'ai un contrat de 2 mois en essai, suivi peut-être d'une embauche. Et avant d'exercer cette activité de tailleur de pierre, est-ce que vous aviez eu une autre activité récemment ? Oui, bien sûr, monsieur le président. J'étais à la bonne intérim Work 2000, où c'est que j'ai de nombreux contrats, fiches de paye. J'ai travaillé pour des serruriers, principalement dans le bâtiment, parce que je m'y connais pas mal. Mmh. Et ça se passe bien, j'ai toujours eu du travail. Votre situation personnelle, je rappelle que au moment des faits, vous viviez avec la victime. Oui, bien sûr. Bon, alors on va y revenir. À l'heure actuelle, vous êtes dans quelle situation personnelle ? Vous vivez avec quelqu'un ? Vous êtes... Oui, je vis avec quelqu'un. Je viens d'avoir une petite fille d'un mois et demi. Ça se passe très bien. Grâce à cette personne-là, j'ai pu m'en sortir. Enfin, en espérant que ça continue. Dernier point. Sur le plan de votre relation aux produits stupéfiants. Pareil, je m'en suis sorti. J'ai les attestations des médecins concernés. J'ai été suivi par le Pélican. Le Pélican, c'est une association qui nous aide à s'en sortir. Bon, alors, vous touchez à l'héroïne, vous touchez à la cocaïne. Voilà. Bon, actuellement, est-ce que vous avez un traitement ? Oui, bien sûr, méthadone. Quel type de traitement ? Méthadone. Méthadone. 65 mg. Vous avez commencé quand, la méthadone ? Il y a 2 ans à peu près, monsieur le président. Je ne sais plus la date exacte, mais ouais, 2-3 ans. À quel taux vous l'avez prise au départ ? 90. Et vous en êtes à combien ? 65. Alors, je n'avais pas dans ma part de dossier ces antécédents judiciaires, madame le procureur. Quels sont-ils ? J'ai le casier judiciaire, je pourrais. Vous pouvez donner lecture à ce moment-là ? Donc, trois mentions au casier judiciaire, 2 condamnations en 2002, 18 juin 2002 par le tribunal correctionnel de Nancy. Mandat de dépôt à l'audience, 6 mois, dont 4 mois avec sursis mis à l'épreuve pour vol aggravé par 2 circonstances. 17 octobre 2002, 80 heures de travail d'intérêt général pour tentative de vol avec destruction, dégradation. 1er juillet 2008, tribunal correctionnel de Chaumont, 5 mois avec sursis mis à l'épreuve pendant 3 ans pour transport, détention, acquisition et usage de stupéfiants, des faits du 3 mai 2008. Et enfin, 4e condamnation du tribunal correctionnel de Chaumont en date du 6 janvier 2009, à 4 mois avec sursis mis à l'épreuve pendant 2 ans, pour tentative de vol aggravée par 2 circonstances,
Ce que j'avais noté, c'est que les faits de tentative de vol ont eu lieu un mois après les faits qui nous occupent, soit le 8 octobre 2008. Ça m'avait marqué. Vous êtes assisté d'un avocat ? Il y a Lucie qui est venue il y a 15 jours m'apporter le truc, parce que, le papier, parce que malheureusement, avec l'affaire-là, j'ai pas été très bien. J'ai oublié de faire suivre mon adresse. Mmh. Alors donc, j'ai demandé un avocat, mais l'avocat, il a dit que c'était trop court pour me défendre. Mmh. Alors ce qu'il m'a conseillé, c'est soit reporter l'audience, soit, ben voilà, ben, vous me jugez. Mmh. Voilà. Et mon patron m'a demandé de vous demander si vous reportez l'audience, ce serait lui qui prendrait garant pour l'avocat et tout ça, en fait. Bon, il y a deux possibilités, soit on juge aujourd'hui, soit on renvoie l'affaire, mais... C'est vous qui décidez, monsieur le Président. De toute façon, il faudra y passer. Et j'assume tout à fait mes responsabilités, alors... voilà. Est-ce que vous acceptez d'être jugé aujourd'hui sans avocat ? C'est un risque à prendre, je sais pas si... Honnêtement, je suis perdu, je sais pas. Vous avez amené tous les documents dont vous nous parlez ou pas ? Oui, j'en ai beaucoup. Fiche de paye, contrat de travail... Tout ça, vous avez ça sur vous. Voilà, justificatif de médecin, et comme quoi que je suis bien suivi par le SPIP de Chambéry. D'accord. Et que j'ai été voir madame le juge de Chambéry. J'ai tout ça là. Mais j'ai fait l'effort de venir parce que ça fait loin. Et au niveau du. Enfin, financier, c'est un peu dur, comme j'ai une petite fille d'un mois et demi. Mais bon, j'ai fait l'effort de venir quand même. Alors donc, là, aujourd'hui, la question, c'est de savoir si ce que vous demandez, après, le tribunal répondra. Mais est-ce que vous souhaitez qu'on reporte l'audience et le tribunal demandera l'avis de tout le monde et on décidera? Ou est-ce que vous vous dites, maintenant, je suis là, on prend l'affaire? C'est une question compliquée, madame. C'est... Oui, mais il va falloir que vous y répondiez, sinon, nous, on ne peut pas répondre. Oui, non, mais j'entends bien, excusez-moi, mais j'entends bien. Mais ce qu'il y a, c'est que, voilà, j'ai vraiment envie de m'en sortir et... J'aimerais pas être lynché quoi, à ce moment-là, parce que j'ai tellement fait pour m'en sortir. En toute hypothèse, il n'est jamais question d'être lynché devant un tribunal, hein, monsieur. Oui, non, mais c'est mes termes à moi. Mes La question, monsieur, c'est... Vous avez le droit de nous dire que vous souhaitez un avocat. Par contre, le tribunal décidera ce qu'il faut faire. Mais l'avocat, il n'est pas là pour empêcher un lynchage. Il est là pour... Si vous pensez qu'il peut apporter quelque chose parce que vous n'arrivez pas à vous exprimer suffisamment ou parce que vous avez des pièces à faire valoir, voilà. Mais je il ne faut pas madame. Non plus trop vous inquiéter. D'accord. Donc, vous demandez ça, on va demander. Bon. Bon, les termes du problème sont posés. Quelle est la position du ministère public ? En ce qui nous concerne, Monsieur le Président, je ne suis pas très favorable à un renvoi pour la simple et bonne raison que monsieur est actuellement sous contrôle judiciaire depuis maintenant 2 ans, que son contrôle judiciaire comportait notamment l'obligation impérative de signifier tout changement d'adresse et que c'est notamment parce qu'on n'avait pas son adresse et qu'on a perdu du temps qu'il y a déjà eu un renvoi de cette affaire. Qu'il est tout à fait en capacité, puisque manifestement il y a tout un dossier de pièces, de personnalité qu'il a été capable de nous amener. Il est donc tout à fait capable de lui-même de se prendre en main. Et j'estime que la tardiveté avérée ou pas de sa convocation, sachant qu'il est à l'origine quelque part de son dommage, puisqu'il n'a pas fait valoir son changement d'adresse, qu'il ne peut dès lors aujourd'hui valablement faire valoir cet argument qui ne m'apparaît pas très opérant. Très bien. La position de l'avocat de l'autre partie ? On a fait renvoyer le dossier. Après, je préférais qu'on évoque ce dossier aujourd'hui. Alors, mais à mon avis, la disjonction m'apparaît... Disjonction, ça paraît difficile. Ça paraît difficile dans ce type de dossier. Ça m'obligera à revenir. Bon, je vous laisse apprécier. Très bien, le tribunal va se retirer pour évoquer le problème. Voilà, l'audience est reprise. Alors, approchez, monsieur. Alors, le tribunal, après en avoir délibéré, va retenir le dossier en estimant que vous êtes en mesure de vous défendre. Hein, vous, d'accord. Vous le prouvez à travers la production de ces documents, mais également le fait que, sur le principe même, les faits sont guère contestés par vous. J'ai fait des erreurs. Faut assumer. Ah oui, ça c'est autre chose. Hein. Oui. Voilà, donc le dossier va être retenu. Donnez-moi tout, je vais regarder.
Bon, je vais vous demander de vous asseoir sur la banquette en attendant. Et on va évoquer la situation de Madame. Vous avez quel âge ? 45. 45 ans. Quelle est votre situation familiale d'abord ? 3 enfants et je ne travaille pas. Vous êtes mariée ? Vous vivez avec votre époux ? Non, on a eu des séparations. On s'est séparés, on s'est remis ensemble. Enfin... Alors, vous faites des allers-retours dans votre relation avec votre mari ? Oui. Voilà. Vous vous séparez, vous vous retrouvez. Ouais. Et là, vous êtes dans une phase où vous êtes séparés ? Bah là, non, il m'écrit, il me... je suis en prison, alors... D'accord, mais au moment où vous avez été mis en prison, vous étiez séparés ou pas ? Oui, on avait une maman, oui. Vos enfants, ils ont quel âge ? Alors, 18 ans, 13 ans et 12 ans. Actuellement, ils sont avec le papa ? Oui. Qu'est-ce qu'il fait, votre mari ? Il est chauffeur routier. Vous avez déjà travaillé ? Ah oui. Votre dernier emploi, il date de quand ? 2006. 2006 ouais. Qu'est-ce que vous faisiez ? J'étais barman. Vous avez perdu cet emploi, pour quel motif ? Parce que je travaillais 15 heures par semaine et c'était trop peu, quoi. C'était un travail à mi-temps ? Oui, vraiment à mi-temps. Et vous y avez renoncé ? Oui. Vous préférez ne pas travailler faisais... du tout ? Non, non, je faisais des heures supplémentaires, il ne les a pas payées, il y a eu plein de problèmes, quoi. Donc... Vos rapports à la drogue, quels sont-ils ? Bah, actuellement, j'ai un traitement. Alors, d'abord, au moment des faits, vous en étiez où ? Moi, il faut savoir que j'ai touché à la drogue il y a 5 ans. Je n'ai jamais touché à la drogue avant, quoi. Je vous avez touché à la drogue il y a 5 ans. Qu'est-ce qui vous a amené, assez tardivement, à vous droguer ? Parce que quand on voit les pratiques habituelles, ce sont des gens très jeunes qui commencent. Oui, bien sûr. À 15 ans, hélas, ou 20 ans. Qu'est-ce qui vous a amené à vous droguer ? Vous aviez 40 ans environ. Oui, oui. Je ne sais pas. À moment faiblesse, des problèmes, je ne sais pas. Vraiment, j'ai eu plein de problèmes. La faiblesse, je ne sais rien. Même moi, je me... Attendez, c'est jamais innocent de passer directement bien sûr, à l'héroïne. Bien sûr, oui. Vous avez fait quoi ? Des mauvaises rencontres ? Oui, aussi. Oui, voilà. Il y a eu des mauvaises rencontres. Il y a eu plein de choses qui sont. Qui sont arrivées là, quoi. Alors, aujourd'hui, sans parler du sevrage lié à votre placement en détention, quelle est votre situation en rapport à l'héroïne ? Honnêtement. Je passais la prison, ça m'a fait un électrochoc. Et maintenant, la drogue, ça me... Voilà, quoi. Enfin, j'y pense vraiment pas, quoi. Ou si j'y pense en mal, quoi. Je me dis, à mon âge... Vous êtes à l'heure actuelle détenue dans le cadre d'une décision dont vous avez fait appel. Oui. C'était une procédure de comparution immédiate qui vous a condamné pour des faits liés aux stupéfiants, et spécialement à l'héroïne. Oui. Alors, on ne va pas évoquer ces faits puisque c'est frappé d'appel. Vous ne les contestiez pas, ces faits, d'ailleurs ? Ah non, non, non. Vous ne les contestiez pas ? Et donc, vous avez fait appel pour quelle raison ? La peine ? Oui. Alors, ces faits, c'était des faits qui portaient sur des pratiques, notamment d'usage de produits stupéfiants, donc sur 3 ans. Ça englobe la période concernée par le décès de Julie. Et ça veut dire que ce fait dramatique n'a pas interrompu votre trajectoire. Vous avez continué sur votre lancée. Non, j'allais en venir. Impossible d'avoir un traitement dehors. J'arrivais pas à avoir un traitement de méthadone, donc je continuais à m'acheter ma méthadone au noir. Ça a duré 2 ans et demi. Mais sans parler de méthadone, vous n'êtes pas dit, je n'y touche plus, quitte à souffrir le martyr. Je sais, mais c'est tellement dur avec les enfants et tout, c'est... Je sais pas. Manque de courage, je ne sais pas.
Vous n'avez rien retiré directement de cette expérience dramatique? Ah si, quand même. Qu'est-ce que vous en avez retiré? Je me culpabilise aussi, hein, j'y pense. Hein. C'est certain. Malheureusement, on ne peut pas faire marche arrière. Mais j'y pense, c'est certain. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut pour que vous puissiez vous en tirer? Des situations de sevrage forcées à travers une détention? Bah, avoir un traitement à moi, approprié à moi. Que je sois comme j'ai l'acheté au noir. Parce que là, vous parlez de méthadone ou d'autres traitements substitutifs, ils ne sont qu'un moyen, ils ne sont pas une fin en soi. Non, bien sûr, bien sûr. Il ne faut pas idéaliser la méthadone. Non, non, bien sûr. C'est compliqué également d'en prendre. Ah oui. Il y a des situations d'abandon, de rechute, etc. Moi, je pense pas. Ouais. Il ne faut pas vous camoufler derrière, derrière une fausse réalité. Bon, qu'est-ce que voulez-vous nous dire de plus pour vous présenter au tribunal? Rien. Je suis complètement... Tout ce qui m'arrive en ce moment... Les faits pour lesquels vous êtes en détention provisoire et que vous ne contestez pas, ils portaient notamment sur des faits, sur des problèmes d'importation, je vois. Importation, acquisition de produits stupéfiants, détention, transport, usage. Il n'y avait pas d'effet de cession. Vous n'avez pas vendu. Non, non, non. D'accord. Des questions à poser? Vous pouvez expliquer brièvement ce que c'était la comparution immédiate, ce qu'on vous reprochait, et la peine qui a été prononcée, pour qu'on ait un peu une idée? Alors, moi, j'avais 100 grammes d'héroïne, et la personne qui était avec moi avait 700 grammes. Alors, moi, je pense qu'on a jugé pour 800 grammes. C'est un contrôle douanier? Oui. Tout à fait. Oui. D'accord. Et vous avez été condamné à quelle peine en première instance? Ça va être révisé en appel, mais... 4 ans, 1 an sursis. 3 ans ferme? Oui. 3 ans ferme. Expliquez peut-être aussi le contexte avec votre famille, vos enfants. Qu'est-ce qu'ils savaient de tout ça, vos enfants, votre fils notamment? Oui, mais bon, là, c'est pas... C'est... Ah si, parce que ma collègue vous demande de... Donc si vous en parlez, parlez-en jugé, jusqu'au bout. Vous n'avez pas été jugé pour... Non, non, bien sûr. Mais quand même, 4 ans... Non, mais je vous demande juste de dire objectivement ce qui... Oui, mes enfants, mon grand, il est au courant, je ne cache rien. Ils le savaient. Ils savaient très bien où j'en étais. Les enfants, ils sont quoi, hein? Mais en soi, c'est pas... Bon. D'autres questions à poser? C'est le public. On les tient. Si j'ai bien compris, madame, vous n'avez donc jamais vendu de cannabis ou d'héroïne? Plutôt d'héroïne? Non. Jamais? Bah non, mais enfin, non. Des fois, je n'ai pas aidé personne, mais ça n'a jamais fait un trafic. Jamais fait trafic. Toujours la subtile nuance entre le dépannage et la vente. C'est ça? Vous n'en avez jamais vendu pour gagner de l'argent? D'ailleurs, pour gagner de l'argent. Jamais. Madame le greffier va l'acter. Alors, on va d'abord évoquer les faits, puis après, on évoquera la personnalité même de la victime. Il ne faut pas oublier qu'il y a une victime dans cette affaire. Et même si elle est absente... Il convient d'en dresser le tableau. Hein, vous l'avez peu connu, vous, madame. Vous l'avez davantage connu, vous, monsieur? Oui. Hein? Est-ce qu'il y a des membres de la famille? Non, il n'y a personne? C'est d'ailleurs symptomatique qu'il n'y ait personne de la famille. Hein. Bon, alors, vous pouvez vous asseoir. Alors, concernant les faits, hein, cette soirée qui va se clôturer dramatiquement par cette overdose. On est donc le dimanche soir. Alors, vous avez passé la journée ensemble, monsieur? Oui, on était tout le temps ensemble. Levez-vous. Pardon. Ma mère? Oui. Oui, on était tout le temps ensemble. Alors, on s'est séparés jamais. Vous vous connaissiez depuis combien de temps? 6-7 mois. Vous droguiez l'un et l'autre? Oui. On s'est connus comme ça, d'ailleurs. Vous êtes des polytoxicomanes? Vous touchez un peu à tout? Ouais, à l'époque. Alors, à l'époque, vous touchiez à quoi? Cannabis,
cocaïne, héroïne. Mmh. Tout ce qui pouvait me faire oublier ma vie. Ne centrez pas le problème sur vous. Hein, non, 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 pas du tout. Hein. Non, non, mais je vous dis ce que, voilà. Pourquoi. Je, voilà. Ce jour-là, vous aviez recueilli, enfin, vous aviez reçu les enfants de. Et on venait de la victime. On les avait ramenés vers 20h à la maison d'enfants. Oui. Et on était rentrés chez nous le soir. On était devant la télé. On a décidé de. De reprendre une dose, si on peut appeler ça comme ça. Et l'accident est arrivé. Le fait de prendre une dose, comme vous dites. Oui. C'était une décision que vous aviez prise déjà depuis la veille. Depuis la veille. Puisqu'il avait fallu que vous fournissiez préalablement. Oui, oui, bien sûr. Hein? Oui. Donc la veille, vous aviez eu recours à madame. Oui. Hein? Julie la connaissait, elle a dit il y a possibilité peut-être d'avoir chez cette femme-là. D'ailleurs, on l'a contactée parce qu'elle avait son numéro de téléphone. Et ça s'est fait comme ça. Après, ils se sont proposés de céder entre elles et voilà. Nous, on a eu ce qu'on voulait, elle a eu ce qu'elle voulait. Bon, alors la transaction, vous levez, madame. La transaction a eu lieu donc la veille. C'est la victime qui vous a contacté? Oui. Ou c'est vous qui l'aviez contacté ainsi? Elle est venue chez moi. Elle est venue chez moi. Elle est venue chez vous? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? On a été en bas chez moi et on a fait l'échange de méthadone. Et... Elle vous a donné de la méthadone? Oui, j'ai changé la méthadone. Ouais. Méthadone, quelle quantité? 5 fioles. Oui. Et c'est tout? Oui, oui. Pas d'argent? Il y a eu un échange d'un gramme d'héroïne et non, pas d'argent. Oui. Et vous, en contrepartie, vous lui avez donné ? Un gramme de cocaïne. Un gramme de cocaïne. Cette cocaïne provenait de qui ? D'où ? Elle provenait de Nancy, normalement. De Nancy ? Oui. Oui ? Mais vous n'en savez pas plus sur la provenance ? Non. Cette substance, vous en aviez acquis quelle quantité auprès de cette personne? Un seul gramme ou vous en aviez acquis d'autres grammes? Moi, j'en avais pris un et elle un. Voilà, donc vous aviez ce gramme de cocaïne à votre disposition. Vous aviez décidé de l'utiliser à deux? Oui, à deux, oui. Hein? Et de l'utiliser le dimanche soir après le départ des enfants. Vous ne vouliez pas que les enfants soient les spectateurs de votre prise de drogue. Jamais, en aucun cas. Bon. Alors, les enfants rejoignent leur lieu de garde habituel, fin du dimanche soir. Et à ce moment-là, que se passe-t-il ? Vous vous êtes fait d'abord une injection. Oui, un mois. Alors que votre amie, la victime, n'était pas là. Elle était absente. Elle était dans la chambre, parce qu'on se faisait jamais l'un devant l'autre, en fait. Donc, vous faites une injection solitaire. Oui. Après avoir concocté un mélange. Qu'est-ce que vous avez mis dans la seringue dont vous avez injecté le produit? Le contenu de la bonbonne. Alors, la cocaïne? Oui. Ce qu'on avait pris. Que vous avez dilué dans de l'eau. Voilà. Mais dans le cas précis, comment avez-vous procédé? J'ai pris ma cuillère, ma seringue, j'ai rempli ma seringue d'eau avec la petite fiole. J'ai pris mon petit désinfectant, je me suis désinfecté. J'ai ouvert la bonbonne, j'ai pris le contenu de la bonbonne, j'ai mis dans la cuillère, j'ai injecté mon eau, j'ai mélangé, j'ai mis mon coton. Après, j'ai introduit la seringue dans le coton pour filtrer. J'ai aspiré le produit et je me le suis injecté. D'accord. Quelle a été la réaction de votre organisme à la suite immédiate de cette injection à laquelle vous procédiez? C'était assez fort. Alors, c'est assez fort, c'est-à-dire quelles ont été cocaïne, les conséquences? Un grand flash, un état d'euphorie, de puissance. De...
Genre, rien ne vous arrive. D'accord, ça c'est les effets psychologiques. Voilà. Moi, je parle parce qu'il y a eu un décès à la suite. Oui, je sais. Ouais. Des conséquences organiques. Moi... est-ce que vous avez eu des palpitations? Est-ce que vous avez eu des sueurs? Est-ce que vous avez eu, des phénomènes La cocaïne, de transe? La cocaïne, elle donne des sueurs et des transes. C'est son effet. Bon. Est-ce que ces effets, qui sont des effets habituels de la cocaïne, étaient amplifiés ce soir-là par l'injection de ce produit? Oui. Oui? Oui. Donc... Vous injectez à vous-même ce même produit qui, par ailleurs, a tué. Mm. Je vous demandais quelles avaient été les conséquences immédiates sur vous. Vous me dites que vous avez senti des conséquences qui n'étaient pas des conséquences habituelles. Si, c'est habituel, mais amplifié. Mais amplifié. Voilà. Très amplifié. J'irai pas dire jusqu'à très amplifié, mais c'était pas mal amplifié. Et en proportion, vous estimez avoir pris quoi lors de cette injection? La moitié, un tiers, un quart, vous savez à peu près? Non, on prenait toujours. On se volait pas en fait. À part égale, ça a été à part égale. À part égale, toujours d'accord. À part égale. Bon. Pour quelle raison vous l'injectiez plutôt que de la prendre autrement? Il y a d'autres modes de prise de la cocaïne. Sniffer, par parce exemple. Parce que auparavant, je la sniffais, mais au bout d'un moment, eh ben, quand c'est habituel, votre corps il s'habitue et vous cherchez toujours une façon de prendre le produit qui vous fasse de l'effet parce que vous êtes tellement habitué. Le plus simple pour avoir de l'effet le plus rapide, c'était intraveineuse. Bon, vous en convenez, il est beaucoup plus dangereux de se l'injecter, la cocaïne, que de sniffer. Oui, mais je crois qu'à ce moment-là, on ne s'en rend pas compte. Vous dites que vous aviez une expérience de la cocaïne depuis l'âge de 17 ans. Oui, enfin, quand je pouvais me la payer, oui. Oui, d'accord, mais des injections, vous en étiez fait beaucoup dans le temps. Avec le passé, oui, je m'en suis fait quelques-uns, oui. La victime, jusque-là, elle sniffait la cocaïne. C'est à votre contact que vous l'avez convaincue de l'injecter. Ah non, elle en prenait avant. Ça, je peux vous l'assurer, monsieur. Elle se l'injectait avant? Elle s'est déjà injectée avant. Je parle sous le contrôle des personnes qui ont examiné le dossier. Non, mais je me doute bien que vous ne dites pas ça pour rien, mais moi, d'après ce que je savais d'elle, on était tout le temps ensemble, on parlait souvent ensemble. Elle l'avait déjà fait, monsieur le juge. Vous l'avez un peu connue, mais je pense surtout à travers le dossier, et vous expliquez que lorsque vous vous rencontriez, vous ne vous êtes pas rencontrés souvent, mais vous parliez beaucoup de vos expériences personnelles en matière de stupéfiants, et que vous aviez évoqué ce problème de l'injection. Oui. Oui. Alors, qu'est-ce que vous étiez dit? Qu'est-ce que vous lui aviez dit? Qu'est-ce qu'elle avait dit? Que j'avais peur. Ça me faisait peur. Voilà. Et moi, je n'ai jamais fait, donc. Oui. L'injection, elle l'avait commencé apparemment récemment. Oui, oui. Mais j'ai pas longtemps. Ouais. C'était récemment. Ouais, ouais, ouais. Et c'était apparemment au contact de ce monsieur. Bah, elle avait... Non. Non. Je ne sais rien, mais après... Vous lui aviez évoqué la dangerosité de ce oui, procédé? Voilà, ouais. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle me disait non, j'ai confiance en lui, pas de problème. Mais que? Elle me disait qu'elle avait confiance en lui. Ouais. Qu'elle avait confiance en lui? Quand vous vous êtes injuré ce produit, cette fois-là, compte tenu des effets relativement puissants du produit, pourquoi vous ne lui en avez pas parlé? Si, je lui en ai. Vous lui en avez parlé? Bah, elle me voyait, elle était avec moi, elle me voyait. Non, vous avez dit que vous l'aviez fait dans votre coin. Oui, d'accord, mais après. Elle était pas là. Après, quand moi je me suis fait l'injection, j'ai sorti la salle de bain, j'étais le rejoindre. Donc elle m'a vu. Oui. Je lui ai dit, wow, c'est de la bonne qualité. Voilà. C'est de la bonne qualité, c'est différent de dire, c'est fort, c'est très fort. Bah, nous on se comprend quand on est dans ce monde-là. C'est ce que ça veut dire, oui. Après, je vous dis la vérité, je ne suis pas là pour mentir. Alors, vous avez fait cette injection, et ensuite, une quarantaine de minutes après, vous lui avez fait, à elle,
Une injection. Son injection, oui. Alors, vous procédiez ainsi, vous avez expliqué, vous pouvez nous réexpliquer pourquoi. Oui, parce que quand elle ne le faisait pas elle-même. Ça arrivait qu'elle faisait elle-même, mais le problème, c'est qu'elle avait des petites veines. Et bien souvent, elle se mettait à côté, ça lui faisait des abcès, et ça fait mal. Alors, pour éviter que ça se fasse des abcès et que ça se voie, elle me demandait de le faire comme ça, moi, je le faisais plus proprement. Voilà. Vous avez fait de la même manière que pour vous ? Exactement de la même manière. Avec un kit également ? Avec un kit également. Quelle a été la réaction à la suite de la piqûre ? La seconde que j'ai été injectée, elle m'a serré la main, elle me dit « ça va pas ». Mais je dis « mais si, ça va aller ». Et là, elle s'est mis à... Elle était debout ? Non, elle était assise sur... Quand vous avez fait l'injection, elle était debout ? Non, elle était assise sur une petite chaise en plastique. Mmh. Après l'injection, elle s'est levée ? Ou elle n'a pas pu se lever ? Elle s'est levée, elle m'a pris la main, elle a essayé de se lever, elle était à moitié levée, on va dire. Elle m'a dit « ça va pas », j'ai dit « si, assieds-toi, ça va aller ». Et elle a dit « j'ai du mal à respirer », et là, elle est tombée toute raide, tremblant. J'ai paniqué, j'ai appelé les pompiers tout de suite. Vous, il y a 45 minutes que vous aviez pris le produit, un produit très fort. Est-ce que vous étiez en état de lui porter secours d'une manière utile ? J'ai essayé de faire tout ce que je pouvais. Qu'est-ce que vous avez tenté de faire ? Essayer de la calmer, essayer de lui faire du bouche à bouche, du massage cardiaque. J'ai appelé les pompiers en même temps, j'étais paniqué. Les pompiers m'ont rappelé, ils ont mis un temps infernal à venir. Et ça, j'ai envie de le revivre pour rien au monde, j'ai envie de le revivre. Rien que d'en parler, là, ça m'horripile. Dans le lieu où vous habitiez, il y avait des voisins immédiats ? Ouais, mais des voisins qui en ont rien à foutre. Est-ce que vous êtes allé les appeler ? Excusez-moi. Est-ce que vous êtes allé les appeler, vos voisins ? Oui, j'étais les appeler. Ils ne se sont pas déplacés ? Pas tout de suite. Mmh. Parce qu'on n'était pas en très bon terme avec eux. Bon, alors les pompiers vont venir. Et elle va décéder très rapidement, hein. Quelques instants après l'arrivée des pompiers. Ils m'ont pas dit ça tout de suite, alors oui. Je sais pas exactement ce qui est arrivé. À l'hôpital, ils m'ont dit qu'ils ont essayé. Bon, il est indiqué dans la procédure qu'ils vous ont écarté, bien entendu, du lieu du traitement de la victime, puisque vous étiez dans un état d'énervement en plus. J'étais paniqué. Mais oui, non, mais vous aviez surtout pris de la cocaïne, donc vous n'étiez pas en état de faire quoi que ce soit. Ouais, mais je crois que la cocaïne, l'effet, elle avait disparu. Quand vous voyez l'être que vous aimez qui part comme ça pour une connerie pareille, il n'y a plus de cocaïne qui tienne. L'effet, la partie directe. Il y a deux enfants derrière. Et s'il fallait choisir, hein, tout de suite, là, à l'heure actuelle, j'aurais préféré que ça soit arrivé à moi, pas à elle. Oui, monsieur, il fallait y penser avant aussi, hein, tout ça. Oui, quand vous êtes dans ce monde-là, vous y pensez, vous croyez que ça arrive qu'aux autres. À la suite du décès, une information va être ouverte. D'abord, une recherche des causes de la mort, et puis une information ouverte. Il s'agissait d'examiner à la fois des prélèvements effectués sur le corps de la victime, prélèvements urinaires, prélèvements sanguins, mais également un certain nombre d'éléments retrouvés sur la scène du décès. On a relevé la seringue qui avait servi à l'injection mortifère. On a saisi également une autre seringue qui a été trouvée sur les lieux. La mienne et la sienne. On a également saisi un DVD sur lequel il y avait de la poudre. C'est là que c'est qu'on préparait notre truc. Alors, justement, ce DVD, parce que je vous posais la question tout à l'heure, comment vous aviez préparé vos doses d'injection. Ce DVD, il n'avait pas servi ce jour-là ? Si, si, je n'ai pas pensé à vous le dire, parce que quand vous l'avez vous l'avez dans une bourbonne, il se forme en état de cailloux. Mmh. Et vous êtes obligé d'écraser les cailloux pour le faire en poudre.
Et ce DVD-là, il servait à ça, en fait, à écraser les cailloux pour pouvoir le mettre en poudre dans la cuillère. D'accord. Donc, vous l'aviez utilisé, ce DVD? Oui, bien sûr, on l'a utilisé. Donc, il a été saisi. Alors, voilà les conclusions du rapport d'analyse toxicologique qui a été mené donc, sur la poudre trouvée sur ce DVD, dans le sang et dans l'urine de la victime, sur la seringue usagée. Bon, on trouve exactement les mêmes produits. À savoir, on a trouvé de la cocaïne, normal. Oui. On a trouvé de l'héroïne. Oui. C'est un peu moins normal. C'est parce qu'on était drogué avant, on s'en servait pour des choses avant. C'était pas la première fois qu'on en prenait. Comment se fait-il qu'on trouve de l'héroïne dans la seringue que vous avez utilisée, puisque c'était un kit neuf que vous avez oui, employé? Oui, mais quand on utilisait le même CD pour à chaque fois les mêmes produits. Alors, ça se peut qu'il y ait des résidus sur le CD d'héroïne qui s'est mélangé avec la cocaïne. Alors, il y a de la cocaïne, il y a de l'héroïne, de la narcotine. C'est un alcaloïde naturel de l'opium. Voilà, bah après, c'est peut-être les mélanges. Du paracétamol. On y a trouvé de la caféine et de la phénacétine. Et ce mélange, eh bien, il porte un nom hein, pour les habitués, mais également pour les scientifiques, c'est ce qu'on appelle un speedball. Oui, exact, oui. Voilà, un speedball qui est un mélange. Je ne connais pas, mais bon. Voilà, alors, est-ce que vous l'aviez fait volontairement ou involontairement ? Involontairement, ça, je vous assure. Mais le résultat, il est là. Hein ? Involontairement, je vous assure. Après, on ne sait pas trop ce qu'ils mettent dans leurs produits. Hein. Nous, ils nous vendent ça comme forme de cocaïne pure, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Pourquoi vous n'aviez pas nettoyé la surface du DVD avant de procéder ? Parce que ce DVD-là, on s'en servait tout le temps. Ça, voilà. Il est au-dessus de l'armoire de la cuisine, jamais parmi les autres. Parce que ce DVD-là, il ne servait qu'à ça, en fait. C'était un boîtier. Alors, quant à l'autopsie, le décès peut être survenu par une arythmie cardiaque ayant entraîné une défaillance cardiaque majorée par une dépression respiratoire sévère. Voilà les conclusions des deux médecins experts. Cette arythmie cardiaque qui a abouti à cette défaillance est en lien direct avec l'association de morphine, de méthadone et de cocaïne. Alors, un élément des faits qu'on n'a pas encore évoqué. La petite cuillère que vous aviez utilisée pour les doses et puis pour la seringue, cette petite cuillère, pourquoi l'avez-vous fait disparaître ? J'ai fait disparaître ? Oui. Comment ça, j'ai fait disparaître ? Bon, écoutez, je ne rêve pas. La petite cuillère... Vous l'avez jeté dans les toilettes du commissariat de police. Ah, parce que je l'avais sur moi. Ouais. Ah, moi, je voyais pas ça comme ça, monsieur. Non, mais je pensais que j'avais fait disparaître ça chez moi, en fait. Ah bah, vous l'avez fait disparaître. Oui, pas disparaître. Oui, j'ai fait mes poches dans le commissariat. Des investigations. Hein. Ouais. Mais de toute façon, alors, je voulais pas plus cacher que ça, parce que j'ai quand même appelé les pompiers. J'ai rien caché du tout. J'ai pas plus caché les alors, seringues. Alors, pourquoi cette petite cuillère, vous l'avez subtilisée? C'est parce qu'en cas où, à la fouille, voilà, que je voulais pas qu'on me voie comme un... plus que ce que je n'étais, comme un drogué. Et je l'ai jeté machinalement dans les poubelles. Pas rien de écoutez, plus. Écoutez, c'est pas innocent de la cacher dans la poche de son pantalon. Non, puis, je ne l'ai pas caché, c'était machinalement, monsieur le juge. Pourquoi j'aurais caché la petite cuillère et pas le reste? Pourquoi j'aurais fait ça? Je vous pose la question. Je l'ai fait machinalement. Vous savez, quand il arrive un truc comme ça, vous réfléchissez pas. Vous pensez qu'à une chose, c'est de sauver celle qui est en train de mourir. Pas à cacher les choses. Parce que moi, j'en avais rien à faire, moi, de cacher les choses. Moi, ce que je pensais, c'est de la sauver, elle. Parce qu'il y en a beaucoup que je connais. Il aurait vu ça, il serait parti. Et ils auraient fait style de rentrer, la laisser comme ça. Style, je suis rentré, elle est morte. Il y en aurait beaucoup qui auraient fait des choses comme ça. Et moi, je suis pas comme ça. Je suis un être humain. J'ai fait mes erreurs, je les assume. Et pour rien au monde, je voulais qu'elle meure. Certainement pas. Au moment où ça s'est passé, vous avez imaginé que ça puisse vous entraîner devant le tribunal ou pas du tout ? Bah, si, quand même. Mais au moment même ? Au moment même ?
Bah si, vous comprenez que vous êtes dans une merde grave, excusez-moi du terme, mais vous l'avez si. Compris tout de suite. Bah bien sûr. Hein, c'est pas parce que j'ai une fin de troisième que je suis abruti, ah, mais quoi. J'ai pas dit, non, pas non, du je, tout non, le sens je, de je, ma question. Non, excusez-moi, c'est pas une reproche que je vous fais, loin de là, je me permettrai pas, mais. Voilà. Écoutez-moi, vous avez l'air de dire que vous étiez émotionnellement dans un état pas normal du fait que vous étiez en train de constater qu'elle allait décéder. J'ai pensé qu'à une chose, c'est à la sauver, elle. À rien d'autre. Mmh. Et je vous dis, ça sera à choisir, j'aurais préféré, moi, partir. Vous aviez déjà assisté à des problèmes cardiaques suite à la prise de... Jamais, madame. Ça a été évoqué, vous fréquentiez des gens du milieu stup qui avaient déjà connu ça. Jamais, madame. Vous saviez ce qu'il fallait faire, pas faire? Pas plus que ça, madame. Moi, tout ce que j'ai pu faire, c'est d'appeler les pompiers et de rester auprès d'elle, c'est tout. J'ai eu des cours de secourisme, mais pas pour des choses comme ça. Des accidents de la vie au métier, d'accord, mais pas pour des choses comme ça. Alors vous saviez qu'une overdose, ça peut toujours arriver. Dans le milieu des drogués, l'overdose, oui, c'est, bien sûr, c'est ceux qui surplombent leur expérience. Mais comme je vous dis, on ne pense pas que ça va nous arriver à nous. On pense que ça arrive qu'aux autres. Ah. Malheureusement. Mais et c'est arrivé à l'autre, là. C'est pas, ouais. Ça ne vous est pas arrivé à vous. Eh ben, j'aurais préféré, je vous dis. J'aurais préféré 1000 fois, et ça serait à refaire, je le ferais tout de suite, sans hésiter. Est-ce que la victime avait déjà fait l'objet d'overdose? Non, jamais. Elle avait jamais eu, à l'occasion d'injection, des problèmes? Non, en tout cas pas avec moi. Ça s'est toujours passé normalement. D'ailleurs, l'hôpital m'a dit que la cocaïne, c'était pas bon pour quelqu'un d'asthmatique. Elle était asthmatique. Alors, elle était asthmatique, mais d'après les témoignages, elle était quasiment anorexique également. Elle mangeait très peu, elle était très maigre. C'était sa corpulence que... Voilà. Elle mangeait, parce que moi, je fais à manger, je suis très bon cuisinier, et j'aime bien cuisiner. Avec moi, elle mangeait. Alors, au moment des faits, vous logiez à quel endroit? Dans un foyer? On avait un appartement social. On n'était plus au foyer. On avait eu un appartement qui, social. Qui dépendait d'un foyer. Qui dépendait d'un foyer, ouais. Bon. J'ai vu que la victime était tellement maigre que les responsables du foyer, dans les derniers temps, avaient exigé que vous veniez prendre les repas du midi. Oui, c'est au vrai. Au foyer. C'est vrai. C'est exact. C'est vrai. Donc elle n'était pas dans un état de santé mirifique, hein. Bah, moi, elle me dit que ça allait, voilà. Non, mais c'est pas ce qu'elle vous disait. Vous aviez le regard d'un tiers, vous pouviez évaluer. Oui, mais moi, je la voyais, monsieur le juge, je la voyais manger, moi. Elle mangeait, ce que je faisais, elle mangeait, à chaque fois. Elle mangeait. Bon, il y a un autre élément de votre situation à tous les deux, puisqu'on parle de votre logement. C'est la découverte par toutes les personnes qui sont intervenues dans ce logement le soir et le lendemain des faits. De l'état général, hein, de mauvais entretien des lieux. Oui, c'est vrai. Parce qu'elle souffrait du manque de ses enfants. Attendez, vous étiez tous les deux. Oui, hein, on était tous les deux, oui. Il y avait elle, mais vous pouviez vous pallier ses insuffisances en la matière. Je faisais cuisine, salle à manger. Le seul état, c'était la chambre. Ça, j'avoue. C'était la chambre, mais le reste était bien. C'est ce que vous dites, hein. Un état des lieux déplorable. Il y a l'un des représentants du foyer qui a dit qu'il n'avait jamais vu ça. Dans la chambre, oui, certainement, oui. Alors, à travers ce laisser-aller général, c'est le mental également qui s'abandonne, hein. C'est quand même la preuve que vous n'étiez pas bien dans vos têtes, ni l'un ni l'autre. Non. Et qui dit pas bien dans les têtes, dit pas bien physiquement non plus. On n'était pas bien, mais on s'aimait, on était bien. D'accord. Tous les deux. Bon, est-ce qu'il y a des questions à poser, monsieur? Oui, madame le procureur. Oui. Monsieur... Asseyez-vous, madame, on parlera de vous après. En fait, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que, manifestement, ça résulte notamment de différents textos que vous envoyez avec Julie. Vous étiez fous amoureux l'un de l'autre, vous aviez même le projet d'avoir un enfant. Oui. Et je me dis que c'est pas très compatible avec le fait de vendre ou de donner la méthadone
pour prendre en plus en injection un produit. Et vous savez très bien que les conséquences sont dramatiques. Oui, non seulement qu'on a bien évoqué ce sujet-là, on en parlait souvent de vraiment arrêter. Mais après, je vous dis, ça ne se fait pas du jour au lendemain, on avait du mal. Effectivement, je ne mentirais pas là-dessus, on avait grand mal. Ah, vous avez indiqué tout à l'heure que vous preniez effectivement toutes ces différentes drogues. Vous avez dit tout ce qui pouvait me faire oublier ma vie. Oui. Qu'est-ce qui se passait dans votre vie pour que vous ayez besoin de prendre autant de choses? Bah, quand vous avez une mère qui vous met une après-midi complète à genoux sur un manche à balai parce que vous avez cassé un verre, interdit de poser les fesses sur les jambes. Quand vous vous relevez le soir de la punition, vous savez plus marcher. Et j'en passe. Être debout en plein soleil, les pieds nus dans une bassine d'eau, si t'as soif, tu bois avec tes pieds. Donc ça, c'était pendant votre enfance? Ouais, c'était pendant mon enfance, ouais, que j'ai subi. Et mon père, malheureusement, était pas comme ça, mais il était jamais là. Et il y avait eu un suivi des services sociaux, d'un juge pour enfants, chose comme ça? Pensez-vous? Non, je vous pose la question. Rien du tout. Même l'école, ils s'en ont même pas rendu compte. J'avais des yeux comme ça, mais l'école, ils en avaient rien à foutre. Et vous l'avez jamais signalé? Quand vous avez peur de quelqu'un... Non, mais c'est pas. Je vous critique pas, monsieur. J'essaie de comprendre qui vous êtes. Ma mère, pour moi, c'était le diable. J'essaie de comprendre qui vous êtes et comment vous avez pu tomber là-dedans. Ma mère, c'était le diable en personne. Et d'ailleurs, quand mon père, il est mort d'un cancer, il savait très bien où c'est qu'il fallait me trouver. Mon père, il pouvait pas parler. Il s'était fait opérer de la gorge. Il marquait sur une ardoise, comme quoi qu'il avait envie de voir son dernier. Ma mère, elle savait très bien où c'est que... Elle disait, laisse-le, c'est une pourriture. Il fera jamais rien de bon de sa vie. Et elle a laissé mon père mourir sans voir son dernier. Et sans même que moi, je me rende compte que mon père est en train de mourir. Alors vous pensez bien qu'elle peut se faire écraser sur la route. Je m'en fous complètement. Et je pèse mes mots. Sinon... Mais ça reste ma mère. Je l'ai quand même prévenue qu'elle est grand-mère. Après, elle en fait ce qu'elle en veut. Moi, ce que je vois maintenant, c'est que malgré mes problèmes et tout, j'essaye de tout faire pour m'en sortir. J'ai trouvé une fille, une femme qui est énorme, qui est très bien, qui m'a aidé. On a une petite fille ensemble qui est très belle. Et d'ailleurs, on a galéré parce qu'elle a resté Enfin, quand elle est née, elle a eu un petit traitement exprès à cause de la méthadone, un sevrage. Ça n'a pas duré longtemps, mais quand vous vous rappelez tout ce que vous avez vécu, ben, vous n'emmenez pas large. Donc votre compagnie actuelle est aussi une ancienne toxicomane? Oui. D'accord. Qui s'en est sortie aussi, et c'est grâce à elle que je m'en suis sortie, parce qu'elle a du courage. Elle n'est pas plus grosse que Julie, elle n'est pas plus grande que Julie, mais elle a énormément de courage. Et si je pouvais en avoir autant qu'elle, eh ben, je serais un homme. Et ce n'est pas le cas. Je vous remercie. J'ai juste une question pour madame. Est-ce que vous pouvez, madame, justement expliquer quel intérêt vous trouviez, vous, à échanger de la méthadone contre de la cocaïne? Moi, parce que je n'allais pas avoir un traitement. Oui, mais vous voyez, monsieur nous indique que finalement, ça faisait plus d'effet d'avoir de la cocaïne et que de prendre de la méthadone. Donc, vous, personnellement, votre choix? Moi, c'était pour me soigner. Et vous preniez en plus de la cocaïne ou pas? Non, ça m'arrivait une fois sur ça, la cocaïne, mais vraiment rarement. Parce que là, vous aviez indiqué, à moins que j'ai mal compris, mais il me semble que vous aviez indiqué que qu'en fait, vous aviez acheté 2 grammes et vous en avez vendu, enfin, échangé un contre... Et le gramme qui vous restait, vous l'avez utilisé, vous? Oui. D'accord. Ça arrivait rarement, mais non, ça arrivait. Ok, merci. Maître? Oui, monsieur le Président, on en vient justement à ce fameux speedball, parce qu'effectivement, dans la Côte des 93, on vient dire que ce qui a été injecté, ou ce qu'on a retrouvé dans le sang de la pauvre victime, c'est à la fois de l'héroïne et de la cocaïne, et ce qu'on appelle communément le speedball. Et ce que je comprends pas, c'est que si vous l'avez pas préparé, comment, d'où provient ce speedball? Renseignez-vous à un médecin. Non, mais je vous pose la question, je vais pas... Moi, je vais vous répondre. Renseignez-vous à un médecin. Quand vous prenez de l'héroïne, elle reste très longtemps dans votre sang. Voilà, tout simplement. Mais non, la différence, c'est que là, le rapport toxicologique, il vient bien dire que dans la seringue, il y avait à la fois de l'héroïne et de la cocaïne, je le dis. C'est parce qu'on s'en servait pour la même chose. C'est bien ce que j'ai dit à Monsieur le Président, on s'en servait pour la même chose. La même seringue, c'est pas ça que je vous pose comme question. C'est que nous pouvons donc en conclure de ces analyses que la poudre retrouvée et qu'elle s'est très certainement injectée se trouve être un mélange multiple de produits d'héroïne et de cocaïne. Eh bien, je vous dis, après, on n'est pas censé savoir ce qu'il y a dans le produit. C'est ça que vous voulez entendre. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous avez d'autres dealers, du coup, pour l'héroïne? Non. Alors, qui est-ce qui vous la fournissait?
l'héroïne à cette époque-là. Eh ben, vous allez à Saint-Dizier, vous allez au Verbois, n'importe non, quel donc... jeune de 16 ans, et vous n'êtes pas obligé de savoir leur nom et tout ça. Moi, non, à l'heure actuelle, je m'en fous de dire n'importe quel baltringue qui vend ça, je m'en fous, je le balance tout de suite. Parce que moi, il n'y a pas de problème, je peux m'attendre mort, je suis un homme. Je ne vous demande pas de nom, monsieur. Je vous demande simplement de savoir si vous aviez d'autres fournisseurs que madame. Pour la consommation d'héroïne, visiblement, oui, si j'en déduis. Oui, bien sûr, d'accord. Mais quand vous allez à Saint-Dizier, n'importe quel jeune de 15-16 ans, il fait son argent avec ça. Je sais, monsieur, ça, je sais, voilà. Très bien. Mais je voulais savoir cette On n'est pas obligé d'avoir un dealer attitré, monsieur. Ah oui, voilà. C'est bien. Comme vous voulez, mais c'était la question que je voulais poser. Vous, monsieur, ce que votre compagne de l'époque a acheté, c'était quoi, alors? Bah nous, on voulait de la cocaïne. Oui, d'accord. Voilà. Mais pour vous, vous avez acquis de la cocaïne et derrière, vous avez mélangé par inadvertance ou volontairement, ou vous pensez que vous avez acheté quelque chose qui était plus que de la cocaïne? Non, non, pour moi, c'était la même chose. Produit blanc, moitié collant, cristallisé, pour moi, c'était de la cocaïne. Mais après, les dealers, ils sont assez malins pour foutre de la merde dedans, croyez-moi. Par rapport à l'effet que ça vous a fait, vous pensez que vous avez fait du speedball ou quoi? Voilà. Non, parce que le speedball et la cocaïne se contredit. En fait, la cocaïne est un excitant. Vous pensez avoir pris de la cocaïne, et si on en a retrouvé dans votre compagne, enfin, dans les analyses toxicologiques, oui. C'est qu'elle en avait antérieurement, ou ça viendrait d'où, selon vous? Bah, je sais pas, on a pris de l'héroïne avant. Quelques jours avant, pas juste avant. Là, on est bien parti sur la cocaïne. C'est ce que je suis en train de vérifier, mais il n'y a pas d'analyse quantitative. On ne sait pas s'il y avait 90% de coke et 10% d'héro. C'est bien ce que je vous dis, madame. C'est bien ce que je vous dis. On a des nanogrammes par millilitre. On a 774 nanogrammes. Vous savez que vous avez vu ça? Alors, c'est là. D'accord. Si, oui, c'est bon. J'y suis. 224. Et on nous dit qu'il y avait 100 nanogrammes par millilitre qui provient, lui dit, prise d'héroïne sûrement, et il y avait aussi 774 nanogrammes de cocaïne, c'est ce qu'il dit. C'est D124. Madame, vous nous avez dit que, à l'occasion de l'achat de cocaïne pour la victime et son compagnon, vous en aviez acheté pour vous-même. Mmh. Bon, vous en aviez acheté la même quantité, un gramme, que vous avez ingéré. Non, vous l'avez sniffé, vous. Oui. Sniffé en une seule fois ou vous avez réparti sur... J'ai réparti, oui. Oui. Quelle a été votre impression lors de la prise de ce produit? Comme d'habitude. Est-ce que vous avez estimé que c'était de la cocaïne pure ou est-ce que ça pouvait être un produit coupé? Je sais pas. Je connais rien, mais elle est assez forte, oui, mais... Est-ce que vous avez déjà goûté d'une manière ou d'une autre ces produits qu'on appelle le speedball, ces mélanges? Oui. Oui. Vous les avez goûtés de quelle manière? Par injection? Ah non, non, non. Ou par sniffage? Oui, oui. Mm-hmm. Et c'est très différent? Oui. C'est très différent de la cocaïne? Oui. Ah oui, bien sûr. Mm-hmm. Et là, vous êtes affirmatif, le produit que vous avez vous-même goûté, c'était de la cocaïne? Ah oui, bien sûr. Essentiellement de la cocaïne. Oui, bien sûr. Il vous a fait les effets habituels de la cocaïne? Voilà, palpitation, sueur, oui. Oui, d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions pour vous, vous pouvez aller vous asseoir. Monsieur. Merci, monsieur le juge. Oui, alors, encore une? Une question à madame. Non, madame, vous pouvez. Si j'ai bien compris, la jeune femme qui est décédée, vous avez expliqué qu'elle se l'injectait. Oui. Est-ce que vous aviez dit tout à l'heure que vous, ça vous faisait peur. Oui. Pourquoi est-ce que vous lui en avez fourni? Est-ce que ça vous a pas traversé l'esprit ce qui se passe aujourd'hui? Honnêtement, là, je n'ai pas pensé à ça. Non. Pour moi, c'est... Ouais. Je pense que ça n'arriverait jamais. Ça vous faisait peur, mais pas suffisamment pour penser que ça allait arriver. Oui. Alors, on reste sur vous quelques instants, madame. Revenons sur votre relation avec la victime. Il a été examiné la messagerie du téléphone portable de la victime à la suite de son décès. On y a trouvé notamment un SMS que vous aviez envoyé. C'était pas en rapport avec les faits qui ont abouti au décès, mais c'était des faits précédents.
un SMS dans lequel vous indiquiez à la future victime « J'ai un pote qui bouge, t'as besoin de rien, il l'a fait à 60 ». Avez-vous entendu parler de ce SMS ? Non, mais on n'a pas parlé après. Ça vous dit rien ? Non, non, non. Mais vous l'avez envoyé ? Ah oui, ça me dit. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Quand elle voulait quelque chose, elle me demandait. Elle me demandait si je connaissais quelqu'un. Alors... C'est-à-dire que vous, la, par moment, vous la relanciez pour savoir si elle était demanderesse de produits ? Bah, oui, elle me disait, dès que tu as des nouvelles, tu m'appelles, tu me le dis. Voilà. Et en fait, vous n'avez fait affaire que combien de fois ? Deux fois ? Oui. Ah oui, elle joue, oui. Alors, de façon plus générale, j'évoquais tout à l'heure son état physique, qui était extrêmement délabré au moment de son décès, la situation générale hein, des lieux dans lesquels elle vivait. Vous saviez tout ça ? Elle en avait marre, elle voulait arrêter, elle voulait faire un enfant. Ouais. Franchement, elle en avait marre de ce milieu-là. Et il aurait peut-être été responsable de votre part de ne plus lui vendre de produits dans l'état où elle était. Oui, bien sûr. Vous n'y avez pas pensé à ça ? Si, mais c'est le problème que moi, je cherchais de la méthanone et on avait trouvé un arrangement. C'est toujours pareil. Bon. S'il y a quelque chose que je ne comprends pas, pourquoi est-ce que vous achetiez de la cocaïne pour l'échanger contre de la méthadone ? Pourquoi pas ? Parce qu'elle me demandait de la cocaïne, ce qu'elle voulait. D'accord, mais l'argent, ça l'aurait pas intéressé ? Non, elle voulait, non, non, elle voulait la cocaïne. Et l'argent qui lui aurait permis d'acheter la cocaïne, parce que finalement, vous serviez d'intermédiaire là-dedans ? Ben voilà, ouais, quelque part, oui. Donc vous, j'ai du mal à comprendre pourquoi vous cherchiez à acheter de la cocaïne si votre but, c'était simplement de trouver de la méthadone qu'on vous fournissait pas dans le corps médical. Parce que elle, je la connaissais, j'allais pas aller voir n'importe qui pour de la méthadone. Donc voilà, c'est pareil. Je suis sûre d'avoir mon traitement, quoi. Et elle avait demandé de la cocaïne, donc j'ai trouvé de la cocaïne. Mais elle m'aurait demandé l'héroïne, j'aurais trouvé de l'héroïne. À ce moment-là, je voulais de la méthanol. Oui, c'est d'accord, mais ouais. J'ai plus de mal à comprendre pourquoi est-ce que c'était pas contre de l'argent. Mais bon, après, dans le milieu, c'est moi, elle me demandait, comme ça que ça marche. Hein. Ouais. Dernière question concernant ces problèmes de drogue. Bon, en général, les drogués, ce qui les inquiète le plus, c'est la sécurisation de leur source, hein, savoir d'où vient le produit, puisqu'ils ne peuvent pas l'apprécier avant de l'avoir ingéré ou goûté d'une manière ou d'une autre. Vous-même, à travers l'approvisionnement en cocaïne, le vôtre et accessoirement celui de la victime, vous aviez pris des garanties suffisantes de l'origine, du produit lui-même, mais de la personne qui vous la fournissait ? Non, franchement, non. Non. Est-ce que la personne qui vous la fournissait, c'était une personne avec qui vous aviez un lien de confiance suffisant ? Vous n'avez pas voulu nous dire qui c'était. Dans ce milieu-là, vous savez, ça a un drôle de milieu. Il n'y a pas de confiance. Donc il n'y avait aucune garantie ? Non. Franchement. Vous ne saviez pas d'où, si le produit était bon ou pas ? Non. Bon, alors dernier point avant de clôturer l'instruction, je vais quand même évoquer la personnalité de la victime. Alors, on a les grands traits de cette personnalité à travers une enquête de personnalité, précisément, qui avait été requise par le juge d'instruction. Bon, il aurait été intéressant d'avoir des membres de sa famille qui auraient pu rendre cet aspect des choses plus concret. Alors, ce qu'on peut dire la concernant, ses deux parents vont se séparer alors qu'elle a 2 ans. Et elle va vivre avec son père, qui va avoir sa garde exclusive. Et il va assumer cette garde jusqu'à ce qu'elle ait l'âge de 11 ans. Ou alors, elle va rejoindre sa mère jusqu'à l'âge de 18 ans. Alors, il est indiqué dans l'enquête que, très rapidement, avant même sa majorité, elle n'a pas eu de bonne fréquentation, elle n'a pas rencontré les personnes qu'il fallait. La majorité des personnes qu'elle a côtoyées étaient des drogués. Vers l'âge de 16-17 ans, elle a fait la connaissance d'un nommé Youssef. Très rapidement, elle va être battue par cet homme avec lequel elle a vécu. Battue alors même qu'elle était enceinte du premier enfant.
Et tous les témoignages récoltés font état du début de sa toxicomanie active à l'occasion de cette vie avec cet homme. Elle va difficilement se séparer du père de ses enfants. Et puis, après avoir fait une brève rencontre, elle va finir par vous trouver, monsieur Rudy. L'impression que vous avez laissée auprès des personnes qui l'ont fréquentée, c'était une mauvaise impression. Vous sembliez complètement shooté, replié sur vous-même. Sa seule vraie relation, forte relation, c'était sa relation avec ses enfants, avec ses deux enfants. Il précisait un amour inconditionnel. Elle avait du mal à leur dire non, elle cédait à tous leurs caprices. Elle était en manque d'amour et elle donnait beaucoup à ses enfants, est-il précisé. L'une de ses plus grandes craintes était d'être jugée comme une mauvaise mère. Il est indiqué qu'elle souhaitait, dans les derniers temps, avoir une vie active. Elle s'était inscrite, notamment, à l'école de la deuxième chance. Voilà, alors la conclusion de la psychologue qui a mené cette enquête sociale, assez éloquente. Tous sont unanimes sur le fait que Julie n'a pas toujours fait les bonnes rencontres, que ses compagnons ont eu plutôt tendance à la tirer vers le bas. Tout le monde dit la phrase qu'elle ne méritait pas ça. Cela peut s'entendre de différentes manières, pas mériter de vivre la séparation de ses parents, d'être l'enjeu de conflits majeurs entre eux, de rencontrer un premier homme violent, de tomber dans la drogue, de faire de mauvaises connaissances et de mourir à 27 ans d'une overdose, laissant deux enfants. Cette jeune fille a connu un parcours de vie des plus chaotiques, semblant s'épanouir uniquement dans la maternité. Cette jeune femme était certainement en manque de repères et les seuls à l'avoir couverte spontanément d'amour, ce sont ses enfants. Voilà, donc on va s'arrêter là. Vous voulez dire quelque chose d'autre, puisque vous l'avez connue un peu ? C'est ça. Oui. Très bien, vous pouvez vous asseoir, madame. Bon, l'instruction de ce dossier est close. Alors, on va prendre les plaidoiries et réquisitions. Alors, ministère public, vous avez la parole, madame le procureur. Oui, je vous remercie, monsieur le président, mesdames du tribunal. C'est vrai que dans ce genre d'affaires, monsieur le président, on a généralement, bien sûr, et c'est logique, un avocat de la partie civile qui vient vous parler de la victime, de sa vie, de son parcours, qui vient représenter ses parents, ses frères et sœurs, ou ses enfants, comme ça pourrait être le cas dans le cas d'espèce. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a personne. Et je crois qu'il était important de retracer un petit peu le parcours tout à fait chaotique de Julie pour bien comprendre quelle a été sa vie, quel a été son parcours, qui est, à mon sens, même si chaque histoire est bien sûr différente, mais strictement identique au parcours de vie de Madame au parcours de vie de Monsieur des enfances difficiles, des adolescences qui le sont tout autant, le début de la délinquance, et puis la plongée dans un engrenage tout à fait infernal à partir du moment où on commence à goûter aux produits stupéfiants, d'abord le cannabis classiquement, puis ensuite tout de suite les drogues dures. Les seuls quelques points que je voudrais rappeler s'agissant du parcours de la victime, elle va arriver début 2007 sur Saint-Dizier. Elle sera vue un mois après par un travailleur social qui va noter qu'elle est tout à fait amaigrie, qu'elle a le teint pâle et qu'elle est tellement dans la toxicomanie qu'elle en est à perdre ses dents. Dans une situation telle que dès le 8 novembre 2007, une ordonnance de placement provisoire va être prise à l'égard de ses deux enfants, et qui depuis d'ailleurs seront toujours dans cette situation de placement en famille d'accueil. Et dans le dossier d'assistance éducative qui a été joint au dossier d'instruction, l'on voit que le père des enfants ne prend jamais de nouvelles de ceux-ci, ou quasiment jamais, et qu'il est très régulièrement incarcéré pour des faits de trafic de stupéfiants. L'autre élément important, les parents de la victime ont été entendus suite à son décès. S'agissant de son père, il va dire « Vous savez, moi, ma fille, la dernière fois que je l'ai vue, c'était en janvier 2006. » Donc là, nous étions en septembre 2008. « Je ne suis pas au courant de sa vie. J'ai vu ses enfants pour la première fois en 2006. Et je ne veux pas caricaturer, mais en clair, son audition revient. « Circuler, il n'y a rien à voir, c'est comme ça. Mais ma fille, vous savez, je ne peux pas vous en dire grand-chose. » S'agissant de sa mère, elle a effectivement rappelé que le point d'achoppement dans leur relation, c'était cette toxicomanie, le fait qu'elle n'acceptait pas cette situation
et que de fait, elle aussi avait fait une croix sur sa vie. Donc ça, c'est pour l'année 2007. Et puis, à partir de 2008, c'est la rencontre avec Rudy. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Monsieur le Président, avec une double image contrastée. Lorsqu'on a notamment le témoignage de la demi-sœur de la victime, qui dit c'était l'absolu coup de foudre à l'égard de ce monsieur. Ils étaient heureux. Autant quand il n'était pas drogué, il était fantastique et c'était un homme bien, et autant quand il était drogué, c'était la catastrophe. Et il pouvait être extrêmement inquiétant. Et cela corrobore, et c'est le deuxième point, d'autres témoignages de personnes disant Rudy l'a tiré vers le bas, et depuis qu'elle l'a connu, elle s'est mise à s'injecter de la cocaïne, et ça a été la catastrophe. Voilà les éléments que je souhaitais rappeler. Aussi, un dernier point. Ce sont les mots du docteur qui s'occupe du Point Bleu, le centre d'accueil des toxicomanes à Saint-Dizier, qui disait d'elle, elle était paumée, pas du tout dans une logique d'abstinence, et c'était une consommatrice non stabilisable. Donc c'est dire si on était loin, bien loin, de la volonté de se sortir et de se sevrer de ces produits. Je crois que le simple fait de céder sa méthadone en échange de cocaïne ou de produits présentés comme tels le résume parfaitement. Alors, quelle peine prononcer à l'égard de l'un comme de l'autre ? J'ai toujours l'habitude de dire cela lorsqu'il s'agit d'homicide involontaire dans le cadre d'accidents de la route, mais ça s'applique tout à fait dans le cas présent, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune peine qui remplace la vie d'un homme ou d'une femme. Il n'y a aucune peine qui remplacera la mort de Julie, qui rendra à ses deux enfants leur maman. Il n'y a rien qui remplacera ce qui a été fait. Il y a un petit point positif, j'allais dire, dans cette affaire, c'est que, parce que moi, je n'y croyais pas, parce que la dernière fois, cette affaire a fait l'objet d'un certain nombre de renvois. Et monsieur était aux abonnés absents, puisqu'il avait déménagé de fait de Saint-Dizier, mais sans en informer le tribunal. Et c'est clair que si on n'avait pas eu, par accident, j'allais dire, son adresse, il aurait été jugé en son absence. Et personnellement, je pensais qu'il n'aurait pas le courage d'assumer ses actes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, d'avoir vu qu'il a fait le déplacement, je trouve que c'est un point extrêmement important, déjà parce que ça permet de juger monsieur, non pas sur un dossier, mais de juger sa personne, de juger la personne qu'il est. Et lorsqu'il disait tout à l'heure qu'il ne se comportait pas comme un homme, et bien là, je considère qu'il s'est comporté comme un homme aujourd'hui, en venant et en assumant ce qui s'est passé, ce qui m'apparaît tout à fait important. Maintenant, il ne faut pas oublier la gravité des faits, il ne faut pas se le cacher. Et je crois qu'il est tout à fait important, dans le cadre de cette affaire, de prendre en compte, bien sûr, cette gravité, de prendre en compte l'évolution des différentes personnes. Alors, j'entends bien, là encore, ça me fait toujours bondir, mais j'entends bien madame qui dit qu'elle pense très souvent à la victime. Je crois que si elle avait pensé à elle, et notamment au mois de mars, lorsqu'elle s'est fait prendre avec 800 grammes d'héroïne, non, elle n'aurait peut-être pas fait ce qu'elle a fait. C'est un petit peu facile lorsqu'on dit que la prison a servi d'électrochoc. J'aurais, moi, aimé que ce décès tout à fait brutal et choquant lui serve à l'époque d'électrochoc. Ça n'a pas été le cas. J'allais dire, peu importe, ça ce sera traité dans le cadre d'une autre affaire. Donc je vous demanderai, pour l'un comme pour l'autre, Monsieur le Président, Mesdames du Tribunal, d'entrer en voie de condamnation, de prononcer à l'encontre de l'un comme de l'autre une peine strictement identique, à savoir une peine à hauteur de 3 ans d'emprisonnement, mais qui pourrait être assortie en tout ou partie d'un sursis avec mise à l'épreuve, comportant là encore, bien sûr, principalement une obligation de soins, c'est important, parce que la rechute, elle est très facile, et que je ne pense pas qu'il soit acceptable qu'il y ait une deuxième overdose, ou en tout cas de faire courir des risques quelconques, parce qu'à un moment ou à un autre, ça n'ira pas, parce qu'à un moment ou à un autre, il y aura des difficultés. Je vous demanderai également d'ordonner la confiscation des cellules, puisque je crois qu'il en reste dans cette affaire. Merci, madame le procureur. La défense a la parole. Oui, monsieur le président, pardon, mesdames du tribunal. La première observation que j'entends faire, c'est expliquer la démarche de l'acceptation aujourd'hui des journalistes qui sont là, parce que ma cliente n'entendait pas que ce dernier film. Et en laissant ruminer, quelques temps après, elle m'a dit « mais il y aura au moins une bonne chose dans tout ça, c'est que ça pourra servir d'exemple à d'autres jeunes qui pourraient être amenés à voir ce film lorsqu'il sera diffusé ». C'était la première observation. La deuxième observation
dans ce dossier, c'est que ça aurait pu très bien arriver. Je pense que tout le monde en est conscient. Aussi bien au prévenu qui est là, aussi bien à la prévenue qui est là, qu'à la victime, lorsque on est consommateur de produits stupéfiants. Et la dernière observation, et là je rejoins tout à fait Mme le procureur dans ce dossier, qui s'est fait la défense de la partie civile, puisque aucun membre de sa famille n'est présent aujourd'hui, c'est dire, je pense, la solitude dans laquelle était cette victime au moment des faits, mais c'est dire aussi le peu d'attachement que lui accorde sa famille aujourd'hui, et j'allais dire aussi le Conseil général, parce que les enfants sont placés, et j'attendais aujourd'hui à voir quand même des constitutions de partie civile, j'en suis très étonné. Alors ce dossier, c'est quoi? C'est à la fois un aspect moral et social qui fait réfléchir et qui laisse, je crois, aussi son jeune. C'est effectivement le décès d'une jeune femme tragiquement, ce décès est tragique. C'est aussi le décès d'une maman qui laisse deux enfants qui vont devoir se construire eux-mêmes. C'est aussi, malheureusement, le décès d'une jeune maman toxicomane et qui n'arrivait pas à s'en sortir. Et je crois qu'on sera unanime, vous, lorsque vous prendrez votre décision, même le procureur, quand elle a fait ses réquisitions, et moi-même, pour dire qu'on n'a pas le droit de mourir de cette façon-là, même si je défends aujourd'hui madame qui est prévenue dans cette affaire. Une autre observation, et c'est vrai que j'ai posé la question au co-prévenu ici présent, on s'interroge. Effectivement, j'ai un doute. Est-ce qu'effectivement, c'est bien la dose qui a été cédée, vendue, comme on veut, par madame qui est à l'origine directe du décès de la victime? Et encore une fois, ben la procédure, elle est contrebalance. On a une étude toxicologique qui nous fait part d'un speedball, mais on a 0,01 g qui ont pu être analysés. Donc j'ai un doute sur, est-ce que c'est le compagnon de la victime au moment des faits qui a fait son speedball lui-même, ou est-ce que c'est la dose qui a été vendue par madame qui était déjà mélangée? J'ai un doute sur ce point-là. Et d'ailleurs, madame y a répondu tout à l'heure en disant, moi ça me faisait les effets peut-être d'une cocaïne un peu plus forte, mais sûrement pas des effets d'un speedball, et j'en ai déjà pris auparavant. Et puis, il y a un dernier point. Je suis étonné aussi sur les rapports d'autopsie, effectivement. Quand j'ai un juge d'instruction qui vient demander un complément aux médecins qui ont pratiqué l'autopsie, je me dis, il y a un doute. C'est déjà avoué qu'il y a un problème dans le dossier. C'est avoué parce que, effectivement, les résultats ne sont pas clairs. Il y a des réelles contradictions. On finit par dire que ce décès peut être survenu par une arythmie cardiaque ayant entraîné une défaillance cardiaque. Peut-être. J'ai pas de certitude. Alors, dans un premier point, on me dit c'est morphinique, donc c'est de l'héroïne. Et puis, dans un autre cas, on vient nous dire mais non, c'est plutôt une arythmie cardiaque. Il y a une contradiction dans cette autopsie, dans ces rapports, qui me laisse penser qu'on n'arrive pas à démontrer réellement un lien. Il est certes indirect, mais pas certain. J'en terminerai par rapport, bien évidemment, à la personnalité de la prévenue. Alors, j'allais dire, bien malgré elle, il y a un autre dossier qui a été évoqué dernièrement. Le dossier, vous le savez, a été renvoyé une foultitude de fois. Et c'est vrai que s'il avait été pris il y a un an ou il y a 6 mois, eh bien, on n'aurait pas dans la tête le spectre de la dernière condamnation dont tu as été frappé à appel, de votre dernier jugement. On n'aurait pas ce spectre-là. Et je vous demande quand même de faire abstraction, puisque pour le moment, elle est prête, malgré la condamnation, il y a un appel, et elle est quand même encore présumée innocente sur ce point-là. Et je vous demande de vous attacher à la personnalité de la prévenue au moment des faits, et de dire qu'elle n'avait pas de casier judiciaire, qu'elle n'avait pas eu. Et ça m'apparaît un point extrêmement fondamental d'interpellation morale et judiciaire, parce que elle n'était pas en récidive, elle n'avait pas été prévenue de l'impact judiciaire. Quelles sanctions elle encourait? Donc vous apprécierez, au vu des éléments dont je vous ai fait part tout à l'heure, et puis si vous retenez un lien indirect mais certain, je vous demande d'apprécier la condamnation et de rapporter bien évidemment à plus juste proportion. Voilà les quelques observations que j'entendais faire dans l'intérêt de la défense et je vous remets
les quelques arrêts de jurisprudence. Très bien. Merci, maître. Merci. Ça, c'est les pièces que fournit monsieur. Alors, monsieur, vous allez à la barre. Alors, vous n'avez pas d'avocat, mais vous défendez seul. Je pense que vous pouvez vous défendre efficacement tout seul. Bon, vous avez entendu les réquisitions du ministère public. Oui. Donc, qu'a visé la gravité des faits. Oui. Il y a mort de personnes, mort d'une jeune femme, et qui a requis, à votre encontre, la peine de 3 ans d'emprisonnement, totalement ou partiellement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve. Vous savez ce qu'est un sursis avec mise à l'épreuve ? Oui, monsieur. Bon, alors vous avez la parole pour vous exprimer, pour dire ce que vous souhaitez nous dire concernant votre responsabilité dans cette affaire. Bah, j'assume ma responsabilité, malgré que j'ai jamais voulu ça, très loin de là. Bah, si c'était à refaire, et bah, jamais je retoucherai ce putain de produit-là, excusez-moi du terme, mais c'est comme ça qu'on doit parler de ça. Et puis bah, que j'ai envie de continuer sur ma lancée, m'en sortir comme je suis parti. Et que je regrette infiniment que ma pauvre Julie, elle est où c'est qu'elle est. J'ai une pensée aussi pour ses enfants, que si je pouvais faire quelque chose pour eux, je le ferais sans souci et tout de suite. Voilà. Oui, concernant la peine. Ben, concernant la peine, ben, justement, vu que j'ai un travail, tout ça, mais ben, après, je sais pas, je m'en remets à vous, monsieur le juge. Je ne suis pas en mesure de pouvoir demander quelque chose. Enfin, vous avez un travail, vous êtes en voie de réinsertion sociale. Oui, depuis un petit moment quand même. Oui. Ouais. Bon, ben, ça prend du temps. Hein, oui, ça prend du temps, mais en tout cas. Il faut solidifier les acquis. Oui. Hein, je ne sais pas si vous avez lu le rapport social, mais j'ai un bon rapport social. Le Pélican, l'association qui me suivait pour la méthadone, tout ça, ils ont jugé que, entre parenthèses, que je m'en suis sorti, parce que j'avais de nombreuses analyses sanguines et urinaires, comme quoi qu'il n'y avait plus aucune trace de quelque sorte de drogue, que ce soit cannabis, héroïne, cocaïne ou autre. Et que je viens d'avoir une petite fille, j'y tiens. J'ai gâché peut-être une vie, mais j'ai pas envie de gâcher une deuxième vie. Maintenant, j'ai des responsabilités et je compte les tenir. Voilà. Très bien. Vous souhaitez rajouter autre chose ? Non, monsieur le juge. Bah, écoutez, le tribunal va se retirer pour délibérer. D'accord. Donc il est 6h moins le quart, disons vers 6h30. Peut-être avant. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Alors le tribunal, après en avoir délibéré, rend sa décision dans votre affaire. Monsieur Rudy, le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés, vous condamne à la peine de 2 ans d'emprisonnement, intégralement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, avec un délai d'épreuve fixé lui-même à 2 ans. Cette mise à l'épreuve comprendra 2 obligations. Une obligation de vous soigner, de poursuivre les soins qui sont en cours, et une obligation de travailler, au sens large du terme, c'est-à-dire d'avoir une activité professionnelle ou d'être dans une logique d'emploi, rechercher un emploi, une formation professionnelle ou autre. D'accord. Hein, le tout, c'est de ne pas rester inactif. D'accord. Madame Lydia, le tribunal vous déclare également coupable des faits qui vous sont reprochés dans les termes de la prévention et vous condamne à la même peine, c'est-à-dire 2 ans d'emprisonnement, intégralement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve, avec un délai d'épreuve fixé à 2 années, comprenant, là encore, une obligation de vous soigner et une obligation de travailler au sens large, tel que je le précisais. Le tribunal ordonne la confiscation des scellés de la procédure
Alors, à l'exception éventuellement du numéraire, j'aurais souhaité simplement avoir une explication. Il y a de l'argent qui a été saisi. Cet argent avait été trouvé sur les lieux mêmes, ouais. Hein, c'est-à-dire dans votre habitation. 340 euros. Ouais, je croyais qu'il y avait un peu plus. Alors, cet argent appartient à qui ? Il était à Julie, c'était son RSA. Voilà. Madame le procureur, sur ce numéraire... J'ai sollicité la confiscation du tout, monsieur le président. Oui, y compris donc après les explications sur l'origine de cet argent. Comment ? Confisque. Bon, le tribunal confisque l'ensemble, y compris donc le numéraire. Voilà, c'est clair dans votre esprit ? Alors, vous avez 10 jours pour faire appel, si vous souhaitiez que cette affaire-là soit rejugée par une cour d'appel sous un autre regard. Ça me va très bien. Voilà. Très bien, l'audience est levée. Le tribunal vous restitue, monsieur, vos pièces, hein, vos justificatifs que vous avez eu l'amabilité de nous fournir. Merci, monsieur. Voilà. Merci. Très bien, l'audience est levée.